Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce lundi 26 avril 2021. Présidentielle, législative, Assemblée nationale, réconciliation. Adama Mbeki Togo accorde une interview au journal Fraternité Matin. Construisons une nation forte de sa diversité, affirme-t-il à la une du journal. Dans cet entretien exclusif, le directeur exécutif du RHDP parle aussi de son rêve pour la Côte d'Ivoire et de la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale. Les détails dans Fraternité Matin. Crise au PDCI RDA, ce que cache le silence de Bédier, peut-on lire à la une du journal Le Jour Plus. Guy Kahu est poussé vers la sortie du secrétariat exécutif, affirme Le Jour Plus. Les détails dans Le Quotidien. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Situation sociopolitique de bonnes nouvelles pour Doboblé, Sekaseka, Fossigno et Abéi, nous apprend Le Quotidien d'Abidjan à sa une. Retrouvez dans le journal ce qui se prépare pour les probabos. Le titrologue pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.